Bienvenue, vous avez suivi pendant cette semaine quelque chose d'essai spécial, une série d'émissions en rapport avec la Covid et l'impact sur la foi, sur les églises. Ce soir, pour compléter cette série d'émissions, nous recevons quelqu'un qui a vécu de près euh, cette situation de Covid parce que cette personne a été euh, infectée par le virus. Elle a dû partir à l'hôpital et puis... Euh, on a suivi une série de, 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 de choses qui ont impacté sa vie. Il s'agit d'un pasteur, non seulement de profession, mais dans l'âme, qui s'engage pour son église, mais aussi dans un ministère auprès des personnes âgées, c'est un aumônier aussi. Et pendant 2020, quand plusieurs personnes se mettaient en retrait, il a gardé donc euh, sa mission et puis il était auprès de ces personnes âgées dans la fondation où il travaille. Mais voilà, après quelques mois, finalement, euh, le virus l'a touché. mais on va retrouver quelqu'un qui, malgré tout, a gardé toujours le, le courage et qui, aujourd'hui, souhaite témoigner de cette expérience assez difficile où il a passé euh, plusieurs jours dans le coma, entubé. Je reçois ce soir Dominique Fricard. Merci pour l'invitation. Nous avons vécu une semaine où nous avons réfléchi avec euh, plusieurs personnes sur cette question de la COVID, de l'impact ouais. qu'elle a eu sur la foi, sur les églises. Et euh, nous avons voulu de. De t'interviewer, de mmh. t'entendre, parce que tu as vécu quelque chose d'assez fort concernant justement cette pandémie. Tu as été euh, donc infecté par ce virus et puis euh, les choses ont, ont mal euh, suivi suite à cette infection. Mais avant ça, comment tu voyais ce virus Comment tu voyais cette pandémie avant que tu sois directement affecté? Bon, en même temps, je voulais pas en faire euh, une fixation, mmh. parce qu'en faisant une fixation, on vit plus. Mais même avant de choper moi-même le Covid, je n'aimais pas ces complotistes qui commençaient à dire euh, ⁇ Mettez pas vos masques, euh, mm -hmm. tout ça c'est des histoires, euh, et puis de toute façon euh, on veut nous faire peur, etc. ⁇ Je, je m'insurgeais un peu la contre, puisque euh, au début de la pandémie, il y avait quand même beaucoup de cas, beaucoup de situations compliquées. Donc euh, j'avais une, une position un petit peu entre deux, ça veut dire pas trop non plus en faire... Euh, une fixation de peur, mm -hmm. mais en même temps un peu réaliste aussi par rapport à la situation que je, je sentais qui pouvait empirer quoi. Tout à fait. Et cette décision de, de rester auprès de, de, de tes patients entre guillemets, de ces personnes que tu suis et que tu accompagnes régulièrement, euh, je sais que la plupart des, comme je dis à l'introduction, la plupart des, des aumôniers euh, se sont éloignés oui. pour éviter bien sûr les contaminations, mais euh, là où tu euh, travailles, tu exerces, vous avez décidé de rester auprès de ces voilà. personnes vu que les familles ne pouvaient pas se, se rapprocher. Alors les familles pouvaient difficilement se rapprocher. Alors heureusement que l'équipe d'animation a fait des Skype ou bien des choses vidéoconférences où il y avait quand même un lien entre les familles et puis les, les résidents, les patients. Mais c'est vrai que rapidement, on s'est dit euh, avec la direction quel message l'aumônier va donner mmh. de se retirer chez soi alors que c'est peut-être la période la plus importante pour être présent pour écouter pour accompagner mm -hmm. j'ai même eu l'occasion une fois pendant mes vacances d'être amené à aller auprès d'un patient qui était en train de, de mourir et j'ai vécu quelque chose de très fort avec la famille qui a été aussi euh, interpellée de, de cette présence en fait mm -hmm. et, et personnellement j'ai aucun critique ou de jugement mais je comprends pas certains milieux ecclésiastiques qui ont demandé à leurs aumôniers d'être à la maison puis de faire des, des contacts par téléphone s'il y a un endroit, s'il y a un moment où l'aumônier doit être présent, c'était bien dans cette pandémie, quoi. Tout à fait. Même si ça comportait quelques risques, on est d'accord. Tout à fait. Justement, ces risques, tu les as vécus et finalement, tu as été euh, infecté par ce virus. On ne peut jamais savoir où ça s'est passé. Et finalement, tu apprends que, que, que tu es positif. Voilà. Ouais. Comment ça se passe quand tu apprends la nouvelle Alors, j'ai fait une première, euh, un premier test puisque je devais faire un ensevelissement euh, au mois de novembre. Mm -hmm. Parce que j'avais un peu des doutes, et puis le test était négatif, j'étais content parce que j'ai pu faire l'ensevelissement, accompagner la famille, etc. Et la deuxième fois où j'ai choisi d'être testé, là, il y avait des symptômes un peu plus conséquents mm -hmm. euh, douleur articulaire, euh, nausée. Euh, euh, j'ai commencé pas mal à tousser, donc j'ai fait le test. Mm -hmm. Et malheureusement, ben, effectivement, ben, j'avais fait le test un lundi, et j'ai appelé euh, la direction aussi à la Girarde, puisque ce jour-là, je devais aller travailler. Et puis j'ai dit, écoutez, j'ai fait le test lundi matin, j'espère que en début d'après-midi, j'aurai le résultat qui sera négatif, puis je pourrai travailler l'après-midi. Mm -hmm. En fait, j'ai eu le résultat en fin d'après-midi, et puis mon test était positif. Ma première réaction, ce n'était pas tellement une réaction où je me suis emballé négativement, je mm -hmm. me suis dit, bon, bah, c'est embêtant. La première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, mince, je vais être dix jours euh, à la maison. Euh, confiné dans mon bureau, j'avais déjà prévu de dormir dans mon bureau pour pouvoir travailler, faire mes mails, etc. Mm -hmm. Voilà, c'est parti un peu comme ça, ou au tout début, ben normal. Quoi. Pas plus que ça. Juste euh, embêtant, embêté d'être dix jours euh, sans aller travailler. Tout à parce fait. Parce que j'avais pas mal de, de dossiers à réaliser. Mm -hmm. Et quand, quand est-ce que tu sens que les choses sont. sont Alors, sont plus ça, que je ça. Vous parle, là, je vous parle lundi. Mm -hmm. euh, à partir du mardi soir, du mercredi, les choses ont commencé à devenir un peu compliquées. C'est que j'ai commencé à vomir. Mm -hmm. J'ai vomi quatre fois. Excusez-moi, les auditeurs, de parler de choses un peu désagréables. Euh, et puis surtout, surtout, j'avais des douleurs articulaires dans le dos qui étaient mmh. insupportables. Mmh. Je prenais euh, 3-4 d'afalgan par jour. Euh, moi, je, je, mon bureau, il est au rez-de-chaussée, donc il y avait un petit escalier pour monter, pour prendre une douche. J'allais prendre euh, beaucoup de douches dans la journée parce que la seule chose qui m'évitait d'avoir que... mal au, doule, au, au dos. Dans ces douleurs articulaires conséquentes, c'était de prendre des douches chaudes. Mmh, mmh. Et, et là, je me suis dit, mince, ça commence à devenir embêtant. Je n'avais pas eu l'impression à ce moment-là d'avoir des problèmes de souffle, mais c'était surtout ces douleurs, mmh. euh, ces nausées, euh, ces douleurs au dos et tout. Et puis là, ça devenait. Là, je ne pouvais quasiment plus rien faire mmh. euh, au niveau travail. quoi. Ouais. Et à un moment donné, vous décidez de partir à l'hôpital. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, mmh. je remonte pour une énième douche chaude. Mmh. Je m'excuse de le dire. Je monte les escaliers et je dis je veux mourir. J'en ai marre de ces douleurs. Mm -hmm. Et là c'est touchant parce que ma fille qui a vu ça, elle a dit à mon épouse écoute là on peut plus laisser aller les choses comme ça. Mm -hmm. Alors ma fille et mon épouse ont dit cette fois ça va pas. Et puis quand je suis monté les escaliers, ils ont dit il arrive plus souffler quoi. c'est mm -hmm. Là, ils ont vraiment, là, on s'est vraiment rendu compte que mon souffle commençait à devenir compliqué. Oui, parce que quand j'ai dit je veux mourir, c'est que je monte les escaliers puis j'ai l'impression que je pas à aller en haut pour mm -hmm. prendre ma douche cette fois-ci. Et c'est là que mon épouse a appelé l'ambulance. Mm -hmm. Et puis, ben, voilà, on sait ce que c'est, il faut toujours vérifier les choses et tout. Alors, euh, les, les responsables. De... Non, c'était pas l'ambulance, c'était l'hôpital. L'hôpital a dit ah, j'aimerais parler à... aux patients. Quoi. Mm -hmm. Et puis, cela là ils m'ont entendu parler ils ont dit ouais. Grave. Il souffle, ça ne va pas, il faut, il faut appeler l'ambulance. Mm -hmm. Alors, arrivé à l'hôpital, quel est le diagnostic vous Alors encore que... une fois, le, le, quand l'ambulance est arrivée, j'ai dit ok, je vais aller à l'hôpital quelques heures, ils vont me donner un peu de souffle, des antibiotiques, puis je vais rentrer à la maison. Mm -hmm. Mais rapidement, quand je suis arrivé, ils m'ont dit écoutez, on va vous garder trois jours. Donc là, je me suis dit bon mince, rester mm -hmm. trois jours à l'hôpital. Donc là, je suis resté trois jours en médecine. Mm -hmm. Et assez vite, je n'avais pas envie de me lever de mon lit. Euh, Pourtant là, quand je suis trois jours en médecine, du vendredi au lundi, euh, voilà, j'ai les infirmiers, infirmières, ils me disaient comme ce fricard, il faut quand même manger, il faut vous lever, il faut quand même vous asseoir. Mais, je sais pas, j'avais de la peine à me lever, euh, j'avais pas envie de me lever, j'étais pas bien. C'est comme quand on a des nausées, on a envie de rester couché, etc. Euh, voilà, ça c'était le week-end. Bon, je vais encore vous embêter avec ça, mais le dimanche, j'ai encore euh, vu que mon équipe de foot avait gagné <laughs> et puis j'étais assez content c'était le dimanche mm -hmm. voilà et puis depuis le dimanche soir euh, jusqu'au lundi matin à partir du lundi matin je... c'est bizarre je sais plus trop ce qui s'est passé après mm -hmm. et pourtant il y a plein de choses qui sont passées ouais. tu as perdu connaissance j'ai pas perdu connaissance mais aujourd'hui je me rappelle pas qu'effectivement puisqu'on arrive à, au, au point peut-être très important c'est que le lundi ils ont décidé de m'intuber il vous a dit ça. Clairement. Et je ne me rappelle pas du tout. Mmh. C'est ma femme. Ma femme, je voudrais la remercier spécialement aussi dans ce témoignage parce que depuis mon, ma maladie, elle a tous les jours envoyé un message à beaucoup de personnes mmh. avec beaucoup de lucidité. Et on reparlera peut-être de ma femme tout à l'heure puisqu'elle mmh. fait partie aussi de, de, de mon histoire et aussi de son histoire. Euh, en fait, euh, ce que j'ai appris par ma femme, c'est que normalement, une aide respiratoire, alors que j'avais un petit peu des problèmes pour souffler, c'est 4 à 5 litres. Mmh. Et apparemment, j'avais besoin de 60 litres. Wow. Alors, quand ma femme avait écrit ça, la plupart des gens ont répondu en disant, je pense que vous avez fait une erreur, vous avez rajouté un zéro, en fait. Mm. Mais en fait, elle ne elle, elle s'était pas trompée. J'avais besoin de 60 litres. Et tiens-toi bien, Rickson, 60 litres ne suffisait pas. Donc, à ce moment-là, ils ont eu raison. Au lieu d'attendre et d'attendre, ils ont décidé de m'intuber. Mmh. M'intuber. Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose avant de, de, de faire ça Ils t'ont expliqué comment les choses allaient se passer Tu oui, étais alors, conscient à quelque part Alors, où je me rappelle bien des choses. Je ne me rappelle pas du moment où j'étais en médecine, mm -hmm. dans mon lit d'hôpital, pour descendre jusqu'aux soins intensifs. Mm -hmm. Ce que je me rappelle, c'est d'être aux soins intensifs. Je n'étais pas trop bien, j'étais couché, ok mm -hmm. Je réalisais cette... Vous savez que le Covid m'avait atteint. Et puis là, lorsqu'il m'a... Un peu embêté, c'est qu'ils m'ont dit, euh, écoutez, là, on, on sera obligé de vous endormir. Bon, ça peut durer une semaine, ça peut durer trois semaines, ça peut durer deux mois. Wow. Et là, j'étais un peu embêté. Je me suis dit, mince, ça va être long, quand même. Hein? Mm -hmm. Qu'est-ce que je vais être à dormir deux mois Mais là, est-ce que tu avais peur ou tu étais confiant toujours Alors, peur d'un côté où on est dans un lâcher prise total, on maîtrise plus rien, oui mais en même temps ben voilà moi c'était de me dire ok je vais être endormi deux mois et puis euh, peut-être j'espère moins hein. mm -hmm. après il y a quand même quelqu'un qui est venu me dire ouais ça peut aller trois semaines je dis ah bon il recule un peu heureusement mm -hmm. euh, la seule chose pour moi qui a été difficile à ce moment-là c'est de me dire je vais être endormi pendant un certain laps de temps d'accord alors tu as su ça après coup mais comment les choses se sont passées pour ta femme entre-temps parce que Malheureusement, ta femme voilà. a aussi été infectée. Alors, je ne veux pas parler. Je vais parler de mon épouse, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que avant qu'ils m'endorment, mmh. ils ont demandé euh, à ma femme si elle voulait venir. Ma femme a dit non parce qu'elle n'avait pas envie de me voir avec plein de tuyaux. Mmh. Et ce que je me rappelle pas, c'est que j'ai eu le téléphone avec ma femme et puis mes deux filles, mais je me rappelle pas du tout de ça. Mmh. Et en fait, avant qu'ils m'endorment, heureusement qu'ils m'ont pas dit que j'avais une chance sur deux de m'en sortir. Enfin, c'est la réalité en fait. J'avais mmh. 50 de chance de de pouvoir euh, vivre ce que l'apôtre Paul a dit euh, après la mort et la résurrection, etc. Mmh. Ou alors de continuer à vivre. Mmh. Mais heureusement d'un côté, parce que s'endormir en se disant, je sais pas si On je a voir. une chance sur deux de ne pas se réveiller, ça c'est pénible. Et puis concernant ma femme, alors bon, ce qui se passe c'est que j'ai eu de la chance quand même dans mon malheur mmh. d'être intubé cinq jours. C'est pas beaucoup. Mmh. Les médecins m'ont dit c'est vraiment... Vous battez un peu les records. Euh, mmh. <laughs> cinq jours, c'est peu. Mmh. Euh, en moyenne, c'est plutôt entre 10-15 jours et des fois plus, des fois mmh. des personnes trois mois, etc. Je me réveille et quelque temps après m'être réveillé, il y a le médecin qui vient vers moi et il me dit, Monsieur Fricart, euh, mmh. je suis obligé quand même de vous annoncer quelque chose. J'ai dit, OK, j'étais encore un petit peu euh, voilà, dans les vapes et mmh. tout. Euh, votre femme vient d'être hospitalisée, elle a le Covid, elle, elle doit faire un scanner. Alors là, j'étais mal. Là, là j'ai eu peur. J'ai dit, mince, à cause de moi, elle va peut-être choper une saleté. Mm -hmm. Et là, j'étais vraiment pas bien. Mm. Et puis il m'a dit, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vos deux filles sont seules à la maison, puis tout se passe bien. C'est pas dit, ouais, une, bah, bonne, une nouvelle. bonne nouvelle. Euh, <laughs> euh, bon, j'ai compris <laughs> ce vous voulait me dire, mais en même temps, j'étais inquiet pour mes enfants, je me suis dit, mais c'est pas possible, ma femme va être à l'hôpital, mes enfants sont seuls à la maison, mais qu'est-ce que c'est cette affaire ouais. Quelle situation hein. Et puis j'avais envie rapidement de... J'ai dit au médecin, mais est-ce que c'est grave pour ma femme Comment il a dit écoutez euh, non, je pense que c'est pas grave, mais... Le, voilà, bah, il a, il, ils ne se sont pas non plus dit, il euh, n'y a aucun problème, et puis... Elle, elle, était un... elle était quand même elle à l'hôpital. Et puis ce qui est bien d'un côté, c'est qu'elle avait le Covid, moi aussi. Et le jour de mon extubation, le jour où elle a fait son scanner à l'hôpital, c'était le même jour. Mm -hmm. euh, tu vois, Rickson, comme avec mon épouse, on a réussi à être harmonieux mm -hmm. à dans la maladie. <laughs> la maladie. On s'est <laughs> bien coordonnés. Moi, je me suis réveillé de l'extubation. Mm -hmm. Et puis elle, elle a fait son scanner. Et le soir, elle est venue m'annoncer qu'il n'y avait rien de spécial. Là, j'étais tranquille le Elle est venue le personnellement annoncé Oui, parce que... Ah bah vous étiez dans le même hôpital, elle venu, infecté par le, le même virus. Le même hôpital, infecté par le virus, elle est venue me visiter. D'accord. Et puis tous les jours de mon, de mon séjour sans intensif, elle était restée quatre jours en médecine, quatre jours, tous les jours elle est venue me voir. Wow. Donc on a discuté ensemble. C'était à quelque part réconfortant de pouvoir oui. voir sa femme. Ouais. Et puis pu... les filles toutes seules à la maison, comment ça s'est passé pour Alors, elle Alors ça, c'était pas, pas simple non plus. Hmm. Alors c'est vrai que. La plus petite, euh, qui a 14 ans, Emily, euh, mm. elle a vécu un peu plus de manière intériorisée les choses. Mm. C'est pour ça qu'à un moment donné, après, on a envie de parler avec elle pour qu'elle ressorte un peu ça. On sentait que c'était vécu vraiment de l'intérieur. Après, il y a mon... Il y a la grande, Sarah, elle a... Voilà, elle, elle, elle a plus parlé. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, peut-être avant qu'on continue, Rickson, euh, est-ce qu'on peut passer une petite vidéo euh, de Sarah, parce que au, le premier jour de mon intubation, elle a envoyé un message. Elle a fait un appel. Elle a fait un appel à la prière. Donc, Et on... ça, c'était très touchant. Si on peut montrer cette petite vidéo au public, je serais très content. D'accord. On va voir maintenant euh, l'appel que Sarah a fait par rapport à, à la maladie de ses parents. Il est actuellement 1h du matin. Coucou, j'espère que tu vas bien. Euh, je pensais pas du tout faire cette vidéo. Et cette vidéo va sûrement être effacée dans les jours qui suivront. Je le crois. Euh, je vais juste vous faire un appel à la prière. Pour les personnes qui le savent ou qui ne le savent pas, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux. Il y a mon papa qui a attrapé le Covid. Euh, durant une semaine, ça s'est dégradé petit à petit, il y avait toujours des symptômes ou des choses en plus qui se rajoutaient. Et, euh, et vendredi, on a dû appeler l'ambulance parce qu'il n'avait plus de souffle. Ils sont venus me chercher, il a été sous oxygène, à 5 litres d'oxygène, ils ont pu baisser, ils ont dû réaugmenter. Euh, Entre-temps, ils ont vu qu'il qu a une pneumonie. Du coup, il était encore plus sous antibiotiques. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, il était à 6 litres d'oxygène. Ils ont rajouté jusqu'à 60 litres d'oxygène. Et du coup, les 60 litres d'oxygène n'ont pas suffi. Ils ont décidé de l'intuber. Donc, euh, dans un, pour les personnes qui savent pas, c'est un sort de coma. Et euh, j'aimerais juste vous demander de prier pour ça, en tant qu'église. Je parle pas du bâtiment en tant qu'église, en tant que chrétien. Je crois que en forme un et je crois que si on se unit tous dans la prière, je crois que je crois qu'il sera guéri. Et je crois que ce que Dieu nous permet d'avoir, que ce soit des maladies, que ce soit des amitiés brisées, quoi que ce soit d'autre, nous apprend toujours des choses. Et euh, je crois que s'il y a cette maladie, je crois qu'il y a quelque chose derrière. On, euh, Dieu est tellement au-dessus de nous qu'il nous donne des choses qu'en fait qu'on ne comprend pas. Lorsque nous on est enfant on voit pourquoi ils veulent pas qu'on prenne une boîte de chocolat. Et quand on est plus grand, on comprend ah ok, bah non, sinon je vais faire une overdose. Et bah là, c'est Dieu a une intelligence tellement plus grande que nous et que quand il nous permet qu'il y ait des choses qui arrivent, nous on ne le comprend pas forcément. Alors on le comprendra plus tard ou on le comprendra au ciel. Et je crois que chaque chose qui arrive dans notre vie a, 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 a une morale derrière et il y a des choses pour lesquelles on puisse grandir. Je remercie chaque, chaque personne qui a déjà prié, chaque personne qui prieront pour ça et pour tous les messages d'encouragement et de soutien que, que je reçois. Je suis très touchée. Soyez abondamment bénis. Courageux. Ouais, Moi, très courageux, bouleversant. Très courageux de sa part. Hein. Bon, je suis pas quelqu'un d'hyper émotif La première fois que je l'ai vu, euh, j'avais l'arme aux yeux. Maintenant, ben, je m'y habitue un peu. Mais mm -hmm. c'est vrai que c'est assez puissant ce qu'elle a annoncé, euh, quoi Une fille qui demande de l'aide pour que les gens prient. Pour que les gens prient pour ça. Puis, ce courage aussi de dire à quelque part. Puis cette confiance. Mm -hmm. Cette confiance que Dieu y maîtrise les choses. Quoi. Mm -hmm. Alors, dans cette expérience, tu as frôlé la mort. Est-ce à un moment donné, tu t'es dit que, que c'était fini, qu'à l'hôpital, tu avais la possibilité d'y rester Et si tu as pensé ça, comment tu as pu régler ça entre toi et Dieu Parce que tu étais en pleine activité, très engagé, au service des gens, un, un homme consacré à, à l'évangile, et tout à coup, ça te tombe dessus. C'est un peu injuste, quand même. Comment tu as. Quelle était ta conversation avec Dieu pendant cette période Ça, je me rappelle pas du tout, mais le dernier téléphone que j'ai eu avec ma femme et mes deux filles, la grande disait, j'ai eu l'impression que tu avais un peu perdu la foi. Mm. Puisque avant avant qu'il m'endorme, je me rappelle plus du tout ce que j'ai pu dire, mais euh, Sarah me disait euh, que je disais, « Ouais, bon, de toute façon, voilà. Euh, » m'a pas laissé hors de l'affaire, je vais, je vais maintenant m'endormir, et puis c'est la vie, il faut l'accepter, etc. J'étais un peu résigné, je crois, mm -hmm. avant que je, je puisse m'endormir. C'est peut-être euh, un petit doute aussi de, de, de cette réalité. Mm -hmm. Je suis pasteur aumônier, mais à quelque part, je suis humain aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh... Par contre, au réveil, là, là, j'ai eu aucun moment de, de, de crier à l'injustice, mm -hmm. de de commencer à me dire, au contraire, je me suis dit, mais Dieu m'a sauvé la vie. Mmh. Tu étais de, plutôt dans un état voilà. de, 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 de reconnaissance. De reconnaissance, disant, ça va prendre le temps et tout, mais Dieu m'a sauvé la vie. Dieu Parce que faut dire une chose, c'est que c'est les autres personnes qui m'ont dit que j'aurais pu mourir. Mmh. Moi, je n'avais aucun instant, à un moment donné, avant de m'endormir, pensé à cette réalité, mais c'est d'autres personnes, c'était la famille, c'était les médecins, c'était des, des, mon entourage qui m'avait dit que. Voilà, j'avais une chance sur deux de m'en tirer. Donc euh, là, j'ai été très reconnaissant. Et je me suis dit, à un moment donné, cette réflexion. Souvent, on se dit, pourquoi moi? Mm. Puis là, je me suis dit un petit peu, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ouais. Ben, si ça a été le cas avec des personnes, pourquoi pas moi? Je ne suis pas meilleur que quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Justement, quels sont les moments après ton réveil, après cette certitude que Dieu t'a aidé à surmonter ces, ces, ces obstacles, cette maladie? Quelles sont les choses qui t'ont le plus touché par rapport à, à cette expérience, non seulement à l'intérieur de l'hôpital, mais aussi euh, à l'extérieur bon, bon, moi, ce qui m'a beaucoup touché, euh, c'est de me dire qu'il y a des personnes qui vont qui vont pas s'en tirer de cette maladie, quoi. Mm. Moi, j'ai entendu même quand j'étais à l'hôpital des situations de, de personnes qui se sont pas sorties de cette situation, qui sont mm. restées. Mm. Après coup, pendant ma convalescence, euh, de mon entourage, je sais qu'il y a des. Pas au niveau de la famille, mais des, dans les connaissances que j'ai, il y a des personnes qui avaient été intubées un mois qui sont décédées. Mm. Des personnes intubées une semaine qui sont décédées. Des personnes qui n'ont pas survécu au Covid, etc. Ça m'a ça fait froid dans le dos. Je me suis mm. dit. Euh, mm. C'est dur. Dur, dur. Et quelles sont les choses qui t'ont le plus encouragé après cette expérience Quels sont les, les faits euh, Quelqu'un un geste, qu'est-ce qui t'a touché positivement après cette expérience Alors il y a, y, a, y a différents éléments. Moi, le premier élément, mm. depuis mon réveil, c'est que chaque jour, c'est un cadeau. Mm. Alors peut-être avant, tu as, as évoqué effectivement, avant le Covid, il y avait le tourbillon des activités, mm. il y avait des choses de notre mission, etc. Des fois, ça va tellement vite qu'on n'y pense plus. Mais depuis mon réveil, je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour. Où je ne me dis pas, c'est un cadeau de vivre cette journée. Mmh. C'est un cadeau d'être à Espoir Média. C'est un cadeau de pouvoir être avec mes membres d'église, d'être avec mes résidents, d'être avec ma famille, mmh. d'être avec mes amis. C'est un cadeau parce que. Voilà, ça c'est une première question. Après la deuxième, c'était relativiser les choses. Mmh. On apprend beaucoup à relativiser. On se dit, euh, dans le fond, il euh, faut pas se plaindre pour rien, quoi. Mmh. Avec ce qu'on a vécu. Euh, si on doit se plaindre pour des peccadilles, c'est vraiment euh, problématique. Et puis, euh, peut-être euh, un symbole que j'ai été très touché. Euh, ce que je voulais dire là, c'est que mon épouse qui avait le Covid, même mmh. sur son lit d'hôpital, elle a continué d'envoyer des messages pour donner des nouvelles mmh. de ma santé. Elle a envoyé tous les jours un message pour partager euh, mes ce que j'étais en train de vivre, les gens étaient super. Ils attendaient, d'ailleurs, il y en a qui lui disaient, on attendait avec impatience le message du jour pour mmh, savoir comment mmh, c'était. Tout à fait. Et ma femme, alors, elle était encore à la maison, elle a eu le Covid, hein, mais mmh. elle est restée quelques jours à la maison. Avant qu'elle parte à l'hôpital. Hein. Avant qu'elle parte à l'hôpital. Et avant de partir à l'hôpital, elle, a, elle, a, elle sentait que mon moral était un peu chancelant. Mmh. Alors, elle a, elle a prévu un document. Cahier de vitamines Cahier de vitamines d'encouragement. Et elle a demandé par mail, par SMS ou par euh, d'autres euh, possibilités que les personnes m'envoient un message d'encouragement. Mmh. Voilà. Wow. Par exemple. Donc les ah. personnes pouvaient envoyer une image, pouvaient envoyer un texte et tout ça, ça m'a encouragé Je l'ai vu seulement quand j'étais en médecine après mmh. mon passage au centre intensif, mais ça m'a beaucoup, euh, ça m'a fait un plaisir énorme. C'est vrai que ça c'est ça, je vais le garder jusqu'à ma, jusqu ma mort. Mmh. <laughs> si le Christ n'est pas revenu avant, bien sûr. Alors, comment tu abordes la vie Quels sont tes projets euh, d'avenir Est-ce qu'ils ont un petit peu changé suite à cette expérience Alors, bon, moi, je dois dire que la passion du ministère revient au galop assez rapidement. Mmh. <laughs> J'ai l'impression que, voilà, je redouble encore de motivation pour réaliser des projets, que ce soit au, au sein de, de l'institution pour l'aumônerie, euh, la résidence La Gérarde, à Epalinge, que ce soit au niveau de mon église, que ce soit au niveau de l'école du sabbat. Euh, mm -hmm. euh, pour ces émissions, c'est qui me plaisent énormément. Mm -hmm. euh, 3DS, je reparle de 3DS, je ne peux pas m'empêcher. Euh, voilà, ça, ça n'a pas tellement changé. Tout d'un coup, maintenant que je commence à avoir des forces, j'ai mm -hmm. envie de continuer à... À, à vivre ces, ces choses-là. Ok. Si tu pouvais donner un message aux familles, aux personnes qui sont d'une part affectées par le virus, ou bien les familles qui sont affectées parce qu'un proche, quelqu'un a été affecté ou voire même euh, perdu la vie à cause du virus, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Alors, si c'est des personnes qui actuellement ont le virus, tu dis, hein, qui ne mm -hmm. sont pas encore décédées, mais qui ont le virus, euh, c'est compliqué dans ces moments-là. Mmh. Par exemple, j'ai connaissance d'une personne qui a, voilà, donc son mari était euh, intubé pendant un mois et elle avait beaucoup d'espoir, etc. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période Maintenant, la personne est décédée, mais je lui ai dit simplement écoute, euh, je suis en prière avec toi, je suis mmh. de très proche avec toi parce que cette situation, elle, elle est complexe. Mmh. Il y a une seule chose à dire, c'est que on, on est proche de ces personnes, on les porte dans nos cœurs, on les mmh. porte dans nos prières. Mmh. Mais toute autre parole, pour moi, c'est un peu paternaliste, c'est un peu compliqué. Mmh. C'est euh, bah bien sûr de dire tiens le coup, et puis ça, ça c'est évident, mais voilà, c'est de dire on ne vous oublie pas, mmh. et puis euh, on vous tient la main, on est là en pensée, en prière. Moi, je l'ai fait même quand j'avais ma convalescence puis que j'étais assez euh, épuisé. Voilà, c'est ça mmh. que j'aimerais donner comme message. Mmh. Je voulais te dire une dernière chose, c'est que, étant quelqu'un à l'extérieur, et puis je te dis euh, que j'attendais aussi avec beaucoup d'empressement les messages que ta femme envoyait, je recevais comme beaucoup d'autres. Nous étions vraiment dans la prière euh, pour toi, nous avons eu très très peur, et nous sommes très reconnaissants que Dieu ait pu euh, préserver ta santé. Et euh, le fait que tu sois aujourd'hui, que tu puisses en témoigner, c'est euh, vraiment un cadeau. Nous sommes effectivement attristés pour ceux qui ne peuvent pas le faire, qui ont succombé mmh. à, cette, à cette maladie qui est bien réelle. Mais euh, voilà. Peut-être un mot par rapport à ça. J'ai eu l'occasion d'intervenir aussi dans une interview dans un journal, euh, dans un journal local, où j'ai pu dire deux choses. Mmh. La première, merci Seigneur, tu m'as sauvé la vie. Mmh. Mais en même temps, sans triomphalisme. Mmh. Et j'ai dit moi, j'ai horreur de ces milieux. Je m'excuse, certains milieux chrétiens qui en font une telle gloire, une telle euh, effervescence, je comprends d'un côté, mais de l'autre, c'est très blessant pour ceux qui n'ont pas eu la même chance que moi. Mm -hmm. Et ça, c'est un message que j'avais envie de dire, c'est reconnaissance auprès de Dieu, oui, mais restons sobres. Mm -hmm. Et puis le dernier point, dans ce que tu as dit, merci d'avoir pensé à, à moi, et puis j'ai senti, c'est incroyable l'élan de solidarité, c'est impressionnant. Je, je me suis dit, euh, même avec certaines personnes avec qui je n'avais peut-être pas tout le temps des contacts, Mmh. Mais je suis rentré de la convalescence, ça m'a fait peur. J'ai dit, là là, je dois répondre à 150 messages à mmh. peu près. Je vais le faire progressivement. Mais j'ai répondu à ces messages. Cet élan de solidarité du cœur, mmh. de présence et d'amour, ça m'a beaucoup aidé pour ressortir de ma convalescence aussi. Non. Gloire à Dieu pour ça. <laughs> Merci beaucoup de votre présence. Nous remercions euh, Dominique pour son témoignage. Nous voyons que Dieu est à l'œuvre, qu'il accompagne ceux qui comme lui ont eu la chance de s'en sortir mais aussi en réconfortant ceux qui ont perdu des proches donc je ne sais pas quelle est votre situation actuellement mais que Dieu puisse vous réconforter, vous accompagner et ensemble par la foi nous allons nous en sortir et bientôt nous attendons quelque chose de, de plus noble, de plus nouveau, nous attendons le retour de Jésus où ni pleurs, ni maladies, ni plus rien qui nous fasse mal va à nouveau arriver. Donc merci beaucoup de votre de votre compagnie et à tout bientôt sur Espoir Média.